Horoscope Capricorne du 05 octobre 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour, Horoscope Amour. Incité par Saturne, vous serez excessivement jaloux, possessif, exclusif. Votre conjoint ou partenaire ne pourra même plus regarder son propre reflet dans l'eau de la baignoire sans que vous vous estimiez trompé. Célibataire, Pluton pourrait vous proposer une rencontre dans votre cadre professionnel. Ce sera sans doute plus cérébral que sensuel, mais c'est déjà un bon début. Horoscope Argent. Grâce aux aspects positifs de Mercure, vous entrerez dans une période favorable aux investissements. S'ouvrira donc un moment privilégié, surtout pour ceux qui veulent acheter des tableaux ou des meubles de style. Ce sera aussi une journée intéressante pour ceux qui souhaitent investir dans la restauration ou l'hôtellerie. Horoscope Santé. L'optimisme sera à l'ordre du jour. Votre morale montera en flèche. Le moment sera bien choisi pour vous attaquer de front aux divers problèmes de santé qui vous tracassent depuis longtemps. Il ne faut tout de même pas que les progrès de la médecine restent pour vous lettre morte. Horoscope Travail. Aujourd'hui sera le moment de foncer et de faire fructifier vos acquis professionnels en leur donnant une base de durée et de stabilité. N'ayez pas peur, même si vous essuyez des échecs, vos efforts seront finalement couronnés de succès. Horoscope Famille. Toute votre énergie se portera ce jour sur votre foyer. Vous ferez ou vous envisagerez sérieusement des transformations importantes. Vous aurez à cœur de faire régner l'harmonie chez vous. Enfin, vous aiderez concrètement vos enfants à devenir plus libres et plus autonomes. Ce faisant, vous aurez l'impression d'opérer un changement salutaire en vous-même. Mais ce ne sera pas seulement une impression. Horoscope vie sociale. Que vous soyez homme ou femme, ce sont les relations féminines qui présenteront pour vous aujourd'hui le plus grand intérêt. Ce phénomène sera dû à Vénus qui, bien aspectée, exaltera l'éternel féminin. Ah, que j'aimerais avoir le privilège d'être une femme. Mais je me demande si les femmes elles-mêmes savent apprécier leur propre féminité.